La parole de Dieu était féconde, proclame l'Évangile. En guise d'illustration, nous y découvrons une église primitive interrogée par la rencontre des cultures différentes, pressée par le désir d'annoncer l'Évangile dans toutes les langues. C'est ainsi que naissent les premiers collaborateurs des 12, que nous assimilons à des diacres. Leur mission, servir aux tables et de prêcher, partager le pain et gérer la distribution des biens auprès des personnes les plus nécessiteuses de la communauté. La parole de Dieu veut parler toutes les langues et elle suscite tous les moyens d'y parvenir. Dans sa lettre, Pierre évoque une image de la pierre pour témoigner de son expérience du ressuscité. Le Christ est une pierre taillée pour la construction, la pierre d'angle qui tient tout l'assemblage. Une pierre précieuse, choisie par Dieu, mais rejetée par les gens. La pierre vivante qui donne vie aux croyants et les fait devenir des pierres vivantes à leur tour. Solide comme un rocher, lumineux comme un diamant. Jésus est la parole de Dieu. Accepterons-nous la vie que cette parole veut nous transmettre? Ouvrirons-nous nos yeux et notre cœur à la vérité qu'elle cherche à nous révéler? Choisirons-nous résolument d'emprunter le chemin qui nous conduit au Père? C'est là une source de joie et d'infinie espérance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.